C'est en fin de compte une tournée qui permet de montrer que la France a des richesses, et des richesses entrepreneuriales extraordinaires. Et c'est vrai que faire cette étape à la boule, c'est aussi saluer les entreprises locales, mais aussi les entreprises régionales. Vous savez que nous avons un bassin industriel très important ici, de La Baule à Saint-Nazaire. Je pense notamment au chantier naval, je pense aussi bien sûr à Airbus. Et puis à toutes les entreprises innovantes, les nouvelles entreprises bauloises. Et on en a quelques-unes qui montrent qu'en fin de compte, ici, on peut vivre et travailler au pays des vacances. D'abord, permettez-moi de vous dire que nous sommes très fiers d'être associés au Big Tour. C'est une proposition pour nous de pouvoir peut-être faire mieux connaître encore ce que nous sommes et nos entreprises. Il faut que nous ayons une plus grande lisibilité, si vous voulez, par rapport au grand public. Et je crois qu'à un moment donné, le succès que vous avez dans le Big Tour est important et que vous avez accepté de nous y associer, pour nous, quelque chose de très fort. C'est ce moment qui fait du bien, qui recrée de l'élan, où on voit de l'optimisme, où on est aussi très fiers d'être français, parce qu'on voit ces belles entreprises qui créent, qui innovent sur nos territoires, qui répondent aux plus grands enjeux, la transition environnementale, l'égalité entre les femmes et les hommes, challenger des grands mondiaux, et pourtant, parce que c'est la friend touch, eh bien on y arrive. Par pure curiosité, et il y a pas mal d'attractions, enfin du moins l'événement est assez intéressant, il y a pas mal de choses qui sont assez attractives à voir, à écouter, pas mal de petits goodies aussi. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça allie un côté un petit peu vacances et puis ce côté promotion de l'entreprise et de la French Tech en général. Donc c'est quelque chose qui est très sympathique et que si à l'avenir ça se refait à la boule, je pense que je passerai également.